suis ravie de lancer cette deuxième édition. Vous allez vivre un moment de votre vie dont vous vous souviendrez tout le restant de votre vie. C'est un des gros avantages de ce week-end aussi, c'est qu'ils peuvent prendre le matériel, ils l'ont en test et puis pendant un mois, moi ce que je vais leur conseiller aussi, c'est de se réunir entre eux, d'apprendre à se connaître parce que je suis sûr que la plupart d'entre eux se sont pas vus avant, c'est la première fois qu'ils se voient et c'est bien qu'ils forment un vrai groupe. Il est pas là. Mon cher collègue, une forte expérience des frères dystrophies. Il les a tous faits. Je veux dire qu'il en a fait un. Hein. C'est ça. Et il a 100% de réussite pour l'instant. Donc on va partager ça à tout le monde, bien sûr, pour que tout le monde puisse profiter de notre expérience. C'est pour changer les 9 vitesses à l'arrière. Et à gauche, à ce poignet-là, c'est pour changer les plateaux à l'avant. Il faut essayer d'équilibrer les équipages. Si vous avez un gros balèze devant qui pousse 100 kg de flotte à chaque fois qu'il donne un coup de pagaie et que derrière vous mettez quelqu'un qui en pousse 20, alors là le col de cygne il va être super dur à faire. Le côté binôme aussi, canoë et vélo, est super intéressant. Quoi. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois un binôme, un invalide et une personne en situation de handicap. Et ça nous montre qu'on peut tous ensemble aller plus loin, se dépasser et puis arriver à faire des choses. Ce qui est important, c'est de faire évoluer les pratiques dans l'entreprise. Je pense que c'est vraiment là l'origine du friandise. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Trop de salariés en situation de handicap qui se mettent en isolement. Trop de salariés d'invalides qui finalement ne vont pas nécessairement à leur rencontre. Je pense que le jour où on arrivera à faire qu'on arrive comme tout un chacun à communiquer, quel que soit son statut, ouais, ça serait pas mal. Regarde mon poignet. Non, le poignet du haut sur le lit, comme ça. Voilà. Et maintenant, à l'arrêt, essaye de pousser l'eau comme ça. Atterrissage. Ah yes. Ouais, c'est ça. Nickel. Le retour difficile avec le vent et les vagues. Bon, qui c'est qui pédale le plus? Je sais pas. Et nous, on est au Ricain, les gars. Vous nous en gardez un pour tout à l'heure, alors. Elle est dure, la côte, là. Hein. J'ai fait 100 mètres, là, dehors. Non, mais avec les coéquipiers, t'es confiante. T'es entre bonnes mains. C'est lui qui s'est cassé la gueule l'année dernière parce qu'il descendait à 70 km/h. 70 ? Non, à peu près. Je dirais que la plupart des handicaps se voient pas forcément, donc handicap, on pense au fauteuil roulant. Et en fait, il y a beaucoup de handicaps qui se voient pas forcément. Et je pense que c'est justement les plus difficiles à aborder.